C'est que là, donc, depuis Bonnier, ça m'égable de donner chez nous commencer. C'est-à-dire qu'il nous commence à partir à 6h30, mais tu prévois qu'il nous commence à 7h. Et le fait qu'il y ait un gros bandonnier qui te finit arriver, le match staff qui te finit, on finit commence à 12. Et mon cas, c'est où qui vraiment me trouve un grand élan de solidarité. Et il y a beaucoup de bandes nourricières, y compris les bandes jeunes, les bandes madames, les bandes hommes qui habitaient dans le sens de Denis. Cela a démontré qu'ils ont beaucoup de nous la peine. Mais là, le cas de Rouki, l'objectif c'est d'atteindre au moins 1500 bandes de sang. Et nous souhaitons, jusqu'à 18h, nous sommes capables d'arriver à 1500 bandes de sang. Mais tu vois, beaucoup d'officiers, spécial mobile force ici là, c'est un peu bien ben fait mort quand le matin. Là, hein? Et au cas de Rouki, bandes soldats HMF, c'est tout une mini parce qu'il n'est pas oublié qu'ils ont aussi prendre en considération la vie de certaines femmes personnes qui sont malades. Moi, très reconnaissant pour les commissaires de police et les commandants de la SMF qui, comme ils font l'appel à lui, décident de faire lien de voir les navires de bonne équipe pour qu'ils puissent avoir une bonne audition. Parce que ça, c'est une période de vestir. Donc, il nécessite beaucoup d'audition pour nous avoir parier à n'importe quel éventuel. Et si on fait un premier pointage, disons 10h, 9h 10h, nous finissons à arriver 500 points de sang. Donc, il est bon là. Oui, il est bon là. Et si ça traîne là, continuer, nous pensons que nous sommes capables de gagner 1500 points de sang. Ça, 1500 points là, combien de jours, on va dire, il m'a risqué à obtenir 1500 points de sang, il y a à peu près pour 10 jours. Mais c'est moi, on est avant le dimanche et avant le samedi, on va nous retirer. Mais nous pensons que nous sommes capables jusqu'à 25 ou 30. Décembre et si ça mène parce qu'il n'y en a pas les autres collègues du sang qui vont rentrer à partir de janvier et nous veut prévoir qu'il connaît donc collègues du sang le Rosemène vers le 19 janvier pour nous arrêter à peu près 300 points qui sont là-bas. Qui vole un peu tout en bouche CSO Fund dans sa méga bleue de Nation Azul? Alors, tout à CSO Fund, c'est le sponsor principal majoritaire. Nous sponsorisons l'événement à la hauteur de 2 millions. Donc, l'événement, c'est pas juste one-off, mais c'est tout au long de l'année 2016. À commencer par le méga bleue de Nation. Donc, aujourd'hui, un membre du comité CSO présent, on va retrouver le ministre de Gardeau. Donc nous invite tout participant qui va revenir jusqu'en présent faire le move, pas juste aujourd'hui mais tout au long de l'année 2016 et tout va combine pour revenir. Donc voilà un petit peu. Donc là si je peux donner un peu, je peux faire un poste dans du sang, je peux donner de l'eau, je peux donner du jus, ça là pour récupérer un petit peu. Définitivement, pour une personne qui vient sur du sang, normalement il n'a pas fait de trouver, il n'a même tombé. Donc nous prévoyons qu'il y ait un enrichissement pour vous sur place, mais non seulement sur place, dans le sac qui nous peut donner, il y a aussi un petit bidon de l'eau. Un petit de l'eau, un petit jus avec un petit biscuit. Si je peux manger l'eau chemin, je viens de me blesser à any one time, je garde toujours des dépressions. Et en plus, je vais faire un cadeau utile. C'est un sac en osier qui va vous servir à partir du 1er janvier l'année prochaine. Voilà, justement, quand nous connaissons, nous avons une industrie pétrolière, certes, mais total aussi accentuer ce qu'on a à travers tout ce qui est l'énergie de l'eau. Donc c'est pour ça le fait qu'il nous décide de faire un sac, surtout en jute, et sachant que le plastique bientôt est banni. Donc ça coûte doublement service et aussi sensibilise les personnes à utiliser un sac recyclable. Merci. Je vous en prie.